Chers amis, bonjour. Il n'y a pas plus frissonnant, il n'y a pas plus indélébile que ce souvenir magnifique, pour ceux qui ont plus de 30 ans bien sûr, de cette belle page d'histoire. Peut-être l'une des plus belles et la plus emblématique de ce que l'on a longtemps et que l'on espère toujours voir, appelée la Grinta Payadine. Et oui, cette campagne européenne de 90-91, bien sûr, a été celle de multiples exploits du club montpelliérain, et tout particulièrement parce que celui-là de match, je pense que personne ne l'a oublié, en tout cas ceux qui ont assisté à cette mythique rencontre du 8e de finale aller contre le Steaua Bucarest. Il pleuvait des cordes, on a vu une équipe payadine extraordinairement combative et puis un scénario au-delà de toutes les espérances et de toutes les imaginations. Scénario auquel a contribué grandement mon voisin que vous avez certainement tous reconnaître, notre ami Laurent Castro. Les années ont passé, Laurent. C'est vrai. Mais elles ont bien passé. C'est peut-être grâce à cette expérience que j'ai vécue avec ces joueurs qui avaient la Grinta, qui nous ont éduqués, nous les jeunes, transmis les valeurs et la passion du football et du club, qu'aujourd'hui Montpellier est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je remercie tous les anciens joueurs que j'ai pu côtoyer en tant que jeune à cette époque, qui ont fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Voilà. Sûrement, et c'est bien ça, justement, la bâtisse d'une belle carrière. Alors, elle n'a pas été très longue à Montpellier, vous concernant, 3 saisons. J'imagine que, quand même, vous avez emmagasiné suffisamment d'expérience pour la suite. Vous avez fait toute la campagne de Coupe de France. Oui, d'abord. Oui. Aux côtés de Michel, bien sûr. À l'époque, il y avait 13 joueurs, donc j'étais souvent sur le banc avec Michel Derzac, et il y avait quand même, pour être 13, les remplaçants aujourd'hui, on se battait pour être remplaçant, parce que c'était faire partie d'un groupe, je veux dire, qui était énormément étoffé à l'époque, avec des joueurs pratiques de grande valeur, si on peut pas tous les citer, mais si on se rappelle bien, il n'y avait que des joueurs de grande valeur, et s'imposer dans un groupe comme ça en tant que jeune, les entraînements c'était chaud. C'était des vrais entraînements avec presque les protèges tibia, parce que quand tu jouais, tu étais attaquant et que tu avais César Blanc dans l'axe, Francky Lucchesi et Pascalou Baïs d'un côté, quand on faisait des oppositions, je veux dire, c'était musclé, on apprenait vite, voilà, ouais, à lâcher le ballon. Et c'est sélectif. Alors, à titre personnel, je me souviens très bien de ce qu'il s'est passé ce 24 octobre 1990. C'est donc la fameuse et inoubliable soirée contre les Roumains de Bucarest. Alors, vous n'allez pas démarrer cette rencontre, Laurent, mais si j'ose dire, le malheur de l'un va faire votre bonheur à vous, puisque vous allez remplacer notre ami Kader Ferraoui. Bien sûr. Alors, je remplace Kader malencontreusement sur une blessure énorme et impressionnante quand on revoit les images après. Je n'étais pas prévu, en fait. Je rentrais, j'avais joué la veille, le week-end d'avant à Valence, j'avais marqué 2 buts, et quand je rentre du camp, je n'étais pas prévu, on me dit tu pars de suite rejoindre le groupe pro. On était dans un hôtel du côté de Saint-Clément-la-Rivière. Moi, je suis parti, je partais comme si je partais au Club Med, mais j'étais heureux. Je n'étais pas du tout prévu. On peut se pincer pour y croire quand même quand on est Laurent Castro. Ah non, mais là, je suis parti en disant un rêve de tout enfant qui. Voilà, c'est la Coupe d'Europe, on t'appelle, tu arrives de jouer Valence en réserve. C'était quand même un niveau élevé puisque la réserve jouait l'équivalent d'aujourd'hui la Nationale 1, hein, je veux dire, c'était la 3e division. Et même à l'hôtel, j'étais relativement décontracté, puisqu'il y avait des gars comme Patrice Garand qui passait avant moi, qui avait des carrières confirmées, des Régis Brouard sur le banc avec moi. Donc bon, j'étais le petit jeune qui arrivait, mais cool, pas de pression aucune. Et je vous dirai plus tard une anecdote, parce que j'étais tellement cool que quand Kader se blesse, j'ai laissé mon maillot dans les vestiaires. Ah bon ? Eh oui, et il y a un témoin, c'est Ghislain Printemps, qui était sur le banc aussi. Et quand Henri Casperzac me dit « Laurent, à 2 reprises, va t'échauffer », la première fois, j'ai paralysé, la seconde fois, j'ai commencé à trembler. Donc, c'est Régis et Patrice qui m'enlèvent le bas de survêt, j'étais incapable.
Et quand j'arrive pour enlever mon maillot, Kader sort de la civière, j'ai dit « Ghislain, j'ai pas mon maillot ». Il est parti en courant au vestiaire, il me l'a ramené, juste s'est croisé, j'ai enfilé le maillot. Les premières minutes ont été très difficiles parce que Pascal Baïs me fait une touche avec ce terrain glissant, tibia, touche pour eux. Voilà. Et deuxième ballon que je touche, c'est Pascal me donne un ballon, je le perds. Et le gars, le numéro 10 à l'époque, c'était un sacré joueur, était un international, me fait un petit pas monstrueux sur le côté de Pascal. Et là, Pascal me tire les oreilles et me réveille un petit peu et me met dans le bain. Et puis je pense que les 80 minutes que j'ai fait ou les 75 minutes que j'ai fait se sont bien passées. Et je me suis senti à l'aise grâce à des garçons comme Pascal qui m'ont encouragé au lieu de... et soutenu mentalement, voilà. Puis le résultat était fabuleux, l'ambiance fabuleuse. Je pensais à mon père dans les tribunes tout le long du match qui était... voilà, bon, c'était un rêve. J'ai vécu... C'est même presque et plus nous, que ça. Et même nous avons vécu un rêve, parce que c'était euphorique, je veux dire. C'est plus qu'un rêve, parce que, bon, d'une minute à l'autre, vous allez être lancé dans le grand bain, faire un match de Coupe d'Europe. Bon, j'imagine que dans la situation du gamin de 20 ans que vous êtes à l'époque, c'est ça, 20 ans, ouais, non 20 ans, oui, ouais. Ça, ouais. Bon, on peut se dire, bon, on peut en rêver, mais... Ça... Oui, on en rêve toujours. Mais c'est tellement loin, proche et loin, quand on voit, surtout à l'époque, où c'est plus comme maintenant, les jeunes ont aujourd'hui une valeur marchande. En début de carrière, avant c'était, on prenait surtout sur l'expérience. Il y avait des Xureb, Garande, qui avaient marqué, qui avaient confirmé pendant plus de 8-10 ans qui arrivaient à Montpellier. Je veux dire, c'était les priorités. Voilà, aujourd'hui ça s'est inversé, et tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour les jeunes qui débutent, je suis fier de voir des jeunes faire partie du groupe pro et jouer titulaire dès 20 ans ou avant les 25 ans en équipe première. Je veux dire. Bon, alors, faut pas nous en vouloir, Laurent, mais comme nous nous adressons aujourd'hui aussi à ceux qui ont beaucoup moins de 30 ans, ils découvrent Laurent Castro, qui a été quand même, on va le dire, un maillon de cette belle chaîne Paillardine, particulièrement sur le parcours de Coupe des Coupes. Et si on est avec vous ce matin, c'est parce que justement ce match-là va être un match dantesque. Le 24 octobre, je l'avais rappelé, c'est le match aller contre les Roumains. Alors, il pleut comme vache qui pisse, comme on dit en pareil cas. La mer et les poissons nous tombent sur la tête. Très franchement, c'est irrationnel. On ne jouerait plus aujourd'hui un match dans des conditions pareilles. Non, le match est arrêté, c'est sûr, pour la sécurité des joueurs. Mais bon, ça reflète un petit peu... je veux dire, être trop dans un cocon, je veux dire, ça s'est joué, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de blessés, il y avait des tacles, ça mettait de l'ambiance. Je veux dire, peut-être que ça ne se passerait plus ici, mais peut-être que ça se passe encore en Angleterre, avec de la pluie, et c'est pour ça que c'est un spectacle. Donc on ne peut pas toujours un spectacle, il y a de l'improvisation, c'est le temps, c'est une salle, chaude ou froide, c'est exactement pareil. Donc c'est dommage, des fois, ça s'est joué, je crois que c'est un souvenir inoubliable pour les spectateurs qui étaient... Et ceux qui commentaient ce match-là, ça nous a réussi aussi, parce que je me rappelle, les 20 premières minutes ont été quand même difficiles pour nous. Il ne faut quand même pas oublier que l'équipe elle est passée tout près de la correctionnelle. Il se passe une scène sur le terrain où le sort de ce match peut changer. Et puis, rappelez-nous. C'est le coup de ce fameux coup de sifflet où on prend en contre et le gars part pratiquement seul au but. Et il y a un coup de sifflet qui vient de... on ne sait c'est où. Un de vos amis, peut-être. Peut-être, possible. Possible, mais... Et là, c'est sûr que on était à 0-0, et on était c'était dans la 20 premières minutes, où on n'était pas... On n'avait pas marqué, on n'avait pas eu trop d'occasions face à cette belle équipe du Stéoa, je rappelle, parce que c'était quand même une très belle équipe. Et si là, malencontreusement, ce coup de sifflet... Je remercie cette personne qui est inconnue, mais on avait pris ce but, c'est sûr que ça aurait été peut-être ça aurait pris une autre tournure. Mais comme tu as dit, Philippe, on ne refait pas l'histoire. Ça fait partie de la dramaturgie de cette soirée-là qui va devenir une soirée historique. Historique, oui, oui, c'est un match historique. Ce qui a été fait là restera marqué à tout jamais dans le club, je veux dire. Et ceux qui ont participé aussi, puisque 30 ans après, je veux dire, bon. C'est avec un grand plaisir, un grand sourire que je dis,
on est toujours en train de me rappeler ce fameux cinquième but. On va y venir. Voilà, bon, et c'est un plaisir énorme. Et c'est vrai que je suis resté que 3 ans à Montpellier, mais j'ai fait toutes mes classes au centre de formation et j'en remercie tous mes éducateurs. Mais si on m'avait demandé de rester 15 ans dans ce club-là, je serais resté 15 ans dans ce club. Et oui, voilà. Parce que tout le monde ne le sait pas. Mais après, bon, il y a eu des changements, il y a eu de têtes, comme il se fait dans tous les clubs. Puis bon, à un moment donné, ma tête ne revenait plus à certaines personnes qui dirigeaient. Enfin, qui dirigeaient, c'est la vie. Puis je suis allé prendre plaisir ailleurs, et puis, mais toujours avec le regret quand même de ne pas porter ce fameux maillot qui m'a formé, voilà, tout simplement. En tout cas, ce soir-là, du 24 octobre contre Bucarest, vous l'avez fièrement porté et brillamment porté, parce qu'il va se passer quelque chose. Je rappelle quand même que, à l'occasion de ce 8e de finale, nous remportons la partie contre les Roumains 5-0, ce qui est colossal, surtout par rapport à l'image, au rayonnement de Montpellier, qui n'était pas aussi brillant que d'autres équipes plus historiquement installé dans ces compétitions européennes. Donc 5-0, et donc c'est vous qui allez marquer le cinquième but. Est-ce que vous vous rappelez exactement? Oui. Ah oui, bien sûr. Je me rappelle comme c'était hier. Bon, déjà, il y avait eu beaucoup d'occasions. On était en domination constante. Je sentais qu'il y avait quelque chose. J'avais le sens du but. Je veux dire, je sentais le coup. Et j'avais manqué 2 ou 3 fois la faille. Et je sens que sur cette transversale sur Daniel, je prie, ça va tellement vite, mais je prie qu'il a foire. En fait, il a foire, et elle me vient dessus, et je marque. Et puis, j'avais dit à mes collègues que si je rentrais déjà, je leur ferais coucou, mais en plus de marquer un but, c'est pour ça que j'ai sauté ce grillage et je suis allé voir mes collègues, mes amis, sur ce fameux morceau de grillage. Voilà. Alors, ne m'en veuillez pas, Laurent, parce que si vous m'en voulez à moi de la réflexion que je vais vous faire, vous en voudrez certainement à tous les supporters du MHSC sur les 30 dernières années écoulées. Il faut quand même le faire, avec votre gabarit de pivot de basket, que de marquer ce but de la tête quand même. Parce que vous êtes un petit gabarit, vous l'avez entendu depuis. Oui, mais je suis un petit gabarit, mais j'avais quand même des qualités, je veux dire, au niveau de la tête et une détente assez importante, même si je n'étais pas un athlète de 1m90. Puis je crois que j'ai un exemple qui a joué à Montpellier, qui était un grand joueur à Montpellier, de Jean-Marc Valadier, mm-hmm. qui n'était pas non plus un grand. Au niveau athlétique et un grand gabarit, et qui était un joueur hors pair de la tête, je veux dire. En déviation, ou quoi, je veux dire, Daniel Jureb, qui était non plus, ne mesurait pas 2 mètres, était un joueur hors pair. Tout le monde était plus grand que vous. Oui, tout le monde était plus grand que moi. À cette époque, oui, il était plus grand que moi, oui. J'étais le plus petit, et je me suis fait assez chambrer sur ça, mais c'était toujours de bon augure. Qui voilà. N'aurait pas rêvé être à votre place à cette 82e minute, c'est ça? 82, 85e minute, voilà. Voilà. Et là, vous allez vous envoler. Et il y a ce coup de tête, et puis il y a cette image qui va vous coller à la peau toute votre vie, du petit gamin de Lunel qui va grimper à la grille. Oui, ouais, c'est comme s'il y avait eu un tour derrière moi, et je sautais les barrières et j'allais m'accrocher sur les spectateurs. Ben, voilà, c'était... En fait, c'est pas calculé, puis je crois qu'un joueur marquer un but, c'est tellement difficile que pour moi, et surtout en Coupe d'Europe, je veux dire, on oublie tout là. On passe dans une autre dimension. Et surtout qu'il y en avait déjà 4. Puis vous voyez les photos, quand on revoit le match, le sourire des joueurs. On avait un plaisir énorme de celui qui marquait. Il y avait 7-8 joueurs qui venaient. D'ailleurs, quand je marque, je veux dire, je soutiens quand même de Laurent, qui viennent de suite, qui font 50 mètres, alors qu'on avait joué sur un terrain très très dur. Ou quoi, Laurent, Daniel, parce que j'avais marqué qu'ils étaient contents, même si c'était que le 5e but. Voilà, comme un seul homme, je veux dire. Donc voilà, bon. Et c'est vrai que je peux remercier ces gens-là ce jour-là, parce que ben, c'est grâce à eux qu'on parle de cette belle image. Voilà. La folie, le délire, la démesure, dans les vestiaires, oui. Ouais. Dans les vestiaires, c'est des images de Laurent qui était tout jeune et qui est président aujourd'hui, qui vient, parce que ben, on avait quelques... mais j'étais le jeune, donc il vient me féliciter avec un grand sourire, voilà. Mais au-delà de... Oui, il y avait cette euphorie dans le vestiaire, parce que pour nous, c'était impensable au départ. Parce que le Steaua, c'était quand même une équipe réputée en Champions League, je veux dire, en Coupe des Coupes. Oui. C'était pas une équipe
de peintre. Mmh. Et par la suite, malheureusement, quand on voit ce qui se passe, jusqu'à la finale, on se dit que peut-être on aurait pu aller au bout si... On ne refera pas l'histoire, alors. Non, mais c'est de ce match-là est parti un collectif énorme, ou un championnat après, et tout ce qui s'est en suivi a drainé des amitiés, je pense, qu'on aura toute la vie. Voilà. Alors vous avez marqué donc ce cinquième et dernier but de cette dantesque soirée contre Bucarest. Est-ce que ça aurait été légitime de toute façon? Est-ce que vous ne vous dites pas, ça y est, j'ai marqué ce but, ça va être pour moi un tremplin? Ouais, oui, on peut dire ça, mais comme j'ai vécu heureux dans les clubs où je suis passé, ce serait ne pas respecter là où je suis passé. Mais c'est vrai qu'on arriverait à cette époque-là, le début de carrière serait peut-être différent. Le début de carrière que j'ai fait, peut-être que je serais resté à Montpellier, mais Montpellier aurait tout fait pour me conserver. C'est comme ça, c'est la vie, on ne revient pas en arrière, vous l'avez dit. J'ai disparu du jour au lendemain, puisque je n'ai plus joué. Pourquoi? Ben, peut-être que j'étais le test du jeune qui rentre, qui réussit, puis on a essayé les autres, tant mieux pour les autres aussi. Et puis voilà, bon, ça a été un concours de circonstances. J'ai fait deux ou trois autres apparitions dans la saison, toujours à l'improviste. À m'appeler, je jouais titulaire contre Auxerre, j'ai joué contre Paris cette même saison. Et donc où j'ai fait des matchs complets, et hop, je disparaissais. Mm. Voilà, donc c'est une histoire qui s'est pas finie, quoi. Pour moi, non. Avec Montpellier, j'aurais aimé qu'elle se finisse, mais alors, moi, je serais resté, voilà, c'est mon club. Ouais. Bah, les années ont passé. Voilà, mais tout en respectant les autres clubs, parce que que ce soit Bastia, les clubs où je suis passé ou quoi, je veux dire, je suis un passionné, en fait, je voulais jouer. Voilà. Moi, il faut que je joue avec le ballon, et j'ai fait ça pendant 14 ans, donc, et après, dans d'autres circonstances, avec la Corpo de Nicolas et le Beach, mais et encore aujourd'hui, je joue. Parce que je suis un passionné avant tout, je veux dire. Voilà. Est-ce que vous êtes nostalgique, Laurent, de cette époque-là? Ou est-ce que vous avez laissé le temps Non, mais pendant les périodes de confinement, j'ai le besoin d'appeler, d'avoir mes tontons, comme je les appelle, que ce soit Pascal, Baïs, avec qui j'aime bien prendre de nouvelles pendant ces périodes de confinement, dures pendant le Covid, Patrick Cuben, qui n'était pas là cette année-là, mais qui m'a côtoyé, qui m'a appris des choses, Franck Lucchesi, c'était un petit peu mes gardes du corps, je veux dire, un petit peu, bon, je ne suis pas nostalgique, non, pas du tout, au contraire, j'aime en parler. Vous ne vous repassez pas le film non, de ce non, but-là? Non, non, et je n'ai aucun regret de ce que j'ai fait, je l'ai fait. On ne pourra pas me l'enlever avec Montpellier, voilà. Du centre de formation où je suis arrivé avec mon petit sac en plastique de Lunel, d'accord, jusqu'à ce que j'en parte, voilà. Je veux dire, j'ai passé que de belles années à Montpellier, voilà. Et vous vous êtes éclaté toute votre vie jusqu'à aujourd'hui avec ce ballon sous le bras ou dans les pieds? Voilà, que ce soit en première division ou en seconde division, un jour Robert nous arrive et me dit « Laurent, t'es comme Jean-Pierre Hort, t'es un grand attaquant de seconde division. » Et pour moi, eh ben, y en a qui non, mais il y en a qui l'auraient mal pris, ouais. Mais moi j'ai pris comme un compliment. Parce que quand on est capable de me comparer à l'époque à Jean-Pierre Hort, ben, pour moi c'est un compliment, voilà. C'est vrai, Jean-Pierre Hort qui a été tout simplement. Donc voilà, j'ai toujours positivé. Les années 80. J'ai toujours positivé, puis je me suis toujours battu pour. J'ai jamais eu de manque de club, être au chômage à l'intersaison. Voilà, puis j'ai vécu vraiment heureux dans ce milieu-là. Voilà. On ne refera pas l'histoire et on n'a certainement pas envie de la refaire, surtout quand parmi elles des souvenirs nous reviennent comme tout à fait magnifique. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Puis le début a commencé à Montpellier, je veux dire. Ce frisson, vous... Je l'ai toujours. Je vais au stade à Mosson, j'ai ce frisson. Je veux dire, on va à une réunion parce qu'on est un club quand même. Ce club-là, et quand j'en parle avec d'autres collègues qui sont dans d'autres clubs, est fabuleux parce qu'il est resté familial malgré les années. Je veux dire, les regroupements d'anciens joueurs, ça ne se fait pas, je veux dire. Il n'y a qu'à Montpellier qu'on le voit. Donc il faut que les jeunes arrivent à garder cet esprit-là et surtout qu'ils se rendent compte qu'ils ont une chance inouïe
de porter le maillot de Montpellier. Voilà, c'est pour moi, c'est... Et je crois que les valeurs de la Paillade et de Montpellier, aujourd'hui, on les retrouve sur le terrain. Même si ces derniers, on ne va pas compter ces derniers matchs, mais on les retrouve depuis quelques années avec des joueurs qui ont le tempérament montpelliérain de ce club. Eh bien voilà, chers amis, nous étions ce matin avec Laurent Castro. Un plaisir de se replonger dans l'histoire au travers d'un moment magique de ce match contre Bucarest où Laurent Castro, du haut de ses 20 ans, et pas de très haut d'ailleurs, avait marqué le 5e but de cette fantastique soirée-là. C'est toujours un plaisir que de retrouver certains joueurs qui sont d'une génération où l'on parlait autant avec son ventre qu'avec sa tête. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi, Philippe. Et merci à vous, parce que c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, que ce soit autour d'un micro ou autour d'un verre, voilà, de l'amitié. Merci, Laurent. Merci, Philippe.